Monsieur les commissaires, Madame la ministre, depuis 2 ans et demi, nous appelons Parlement européen à réformer le processus du semestre européen pour qu'il soit un instrument de coordination de nos politiques au service du progrès social et des transitions environnementales et numériques. Depuis 2 ans et demi, les crises se succèdent et elles nous donnent raison. Crise pandémique tout d'abord. Le semestre actuel a montré ses flexibilités avec le déclenchement de la clause générale d'exception pour permettre nos politiques du quoi qu'il en coûte. Et son maintien jusqu'en 2023 est fondamental. Guerre en Ukraine maintenant. Aller plus vite et plus loin pour bâtir notre souveraineté européenne, notamment énergétique. Ça doit signifier des investissements massifs pour une transition vers une économie neutre climatiquement et indépendante énergétiquement. Cette souveraineté, elle doit aller de pair avec notre promesse, ne laisser personne de côté. Et pour cela, il faut revoir nos règles. Et dès demain, le sommet de Versailles, initié aussi par le président Macron, doit être ce nouveau départ.